Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes. Alors aujourd'hui je suis allé dans un magasin particulier où ils vendent des produits un peu geek, un peu insolites et regardez ce que j'ai trouvé. Un paquet de cartes Legend of Zelda. Oui je sais ça paraît très bizarre mais là je vois qu'il y en a 6 cartes dans le paquet et il y en aurait une centaine au total. Basé sur les jeux Legend of Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess, Skyward Sword et A Link Between Worlds. Je vous mets ça ici. Vous voyez? Donc voilà, je ne sais pas trop à quoi attendre parce que j'ai voulu essayer, ça m'a intrigué. Donc vous allez voir ça tout de suite. C'est parti pour l'ouverture. Allez, allons-y. Voyons. Comment ça se présente? Déjà, c'est pas. Si, c'est bon, j'ai trouvé une ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, déjà, nous avons une petite liste regroupant les différentes cartes obtenables. Vous voyez? Donc. Ok, ça se présente comme ça, je vois pas trop. Oh, it's too dangerous to go alone, take this. Bah bien, c'est le premier Zelda. Alors, je crois que c'est comme ça. Ah, on voit les noms des jeux en haut. Ici, ça vient de Skyward Sword. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Ouais. Ensuite, nous avons Tornado Road, Link Between Worlds, ouais, c'est ce Link-là. Ah, Darmani the Third, le héros Goron de Majora's Mask, dans le Pic des Neiges, où vivent les Gorons. Ah, d'accord, il y a des cartes à l'horizontale. Jiraim se révèle dans Skyward Sword, voilà. Ah, d'accord. Link Mojo qui s'envole dans Majora's Mask. Voilà. Et Shake de Ocarina of Time. Voilà. Si vous connaissez le jeu, vous savez qu'il y a un twist sur ce personnage. D'accord. D'accord. Et ça, je pense que c'est le fameux tatouage annoncé. Ça me paraît un peu bizarre que ce soit. Hein, parce que ça paraît plus comme un sticker. D'accord. Et ben c'est vraiment sympa en fait. C'est un mélange de plusieurs trucs, c'est pas mal. Avec une petite explication au dos. Vous voyez, par exemple. Donc voilà. C'est une bonne surprise, franchement. Et bien voilà les gens, petit bilan de cette ouverture de carte plutôt insolite. Vous voyez, on a quand même de belles images, les cartes sont. En fait, elles sont plastifiées. Ça garantit un peu de qualité. Et vous voyez la petite description au dos. Alors, oui, c'est en anglais, donc faut avoir un petit peu de connaissance de la langue, mais bon, rien d'insurmontable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette ouverture qui m'a paru plutôt insolite vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye tout le monde!